Hi. How are you, my love? Hey, Elle est à maman avec Philippe ce matin. He's good? He's being good? Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, je n'ai pas trop bien dormi parce que vous m'avez contrarié, t'as vu, on va se mentir. Je voulais juste revenir un peu sur l'histoire, après j'en parlerai plus. Vous expliquer comment c'est passé en fait. Je cherchais donc, comme je vous disais, une idée pour être solidaire, etc. Ce qui se passe dans ce monde. Et lancer un truc, je me suis dit, ouais, lancer un truc que ça fait gros effet boule de neige et que du coup ça soit vachement partagé, relayé afin que tout le monde y participe. Bref, donc il me vient l'idée, l'idée que j'ai eue, qui était visiblement une très mauvaise idée. Et j'appelle Emine et Justine, je leur demande de m'acheter ce maquillage pour faire cette photo et tout. Ils me disent, ouais, ok, pas de problème, donc ils m'achètent le maquillage, ils me le ramènent. Donc les deux, c'est mes assistants, ils sont payés pour que tout se passe bien dans nos vies, on va dire. Visiblement ils le font, ils vont me l'acheter parce que ni l'un ni l'autre ne connaissent l'existence du blackface. Donc là, Emine et Justine ne connaissent pas parce que du coup ils m'en parlent pas. Du coup je dis l'idée à Laurent et tout. Laurent il me dit, ah bah vas-y, tout c'est cool, si tu vois c'est un truc anti-racisme et tout, vas-y je fais avec toi. Donc parce qu'il me suit, mais visiblement il connaît pas le blackface non plus parce qu'il le connaît pas. Donc on se prépare et tout ça, et donc mon photographe qui vit chez moi, qui est Booba, comme vous le savez, qui est malien, je lui dis, ouais Booba, on va faire une photo comme ça et tout, pour faire une lutte anti-racisme, etc., pour inciter un maximum de gens à relayer, je voulais pas que les gens relaient ma photo, je voulais que les gens le fassent eux-mêmes pour dire, bah, on n'est pas raciste, quoi. Et Booba, donc, qui est noir hein, et qui est malien, lui non plus, du coup, il connaît l'existence du blackface, mais il ne percute pas que cette photo, ça peut être un amalgame autour de ça. Donc il nous fait les photos et tout, il les retouche, il les donne, et à aucun moment il se dit ça va faire un effet boule de neige. Vu que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'en sais rien. Et du coup, je l'ai posté. Au bout d'une minute, je recevais des messages blackface. Donc au début, je n'ai pas compris pourquoi ils écrivaient ça, les gens. Et après, j'ai lu un message où il y avait marqué attention. Griezmann l'a fait ça en 2019 et il s'est fait terminer. Je sais pas qui c'est ce truc. Donc je vais sur Google, je regarde, je comprends pas. Parce que Griezmann il est déguisé en basketteur ou je sais pas. Je me dis mais moi je suis pas déguisé, je comprends pas. Donc du coup je supprime au cas où le temps que je demande. Et là je demande à mes amis qui me disent ah mais en fait ils m'expliquent ce que c'est. Donc je retire. Maintenant, je pense pas que ça soit. Tu vois, on emploie tous le mot que j'ai été maladroite. J'ai pas été maladroite parce que je ne connaissais pas l'existence de ce blackface. Alors oui, certains se font des kiffs sur notre gueule à dire, mais en plus ils osent dire qu'ils savaient pas. Mais sur le cœur de mes deux enfants qu'ils arrêtent de battre, que je ne connaissais pas et que visiblement la majorité des gens de ma famille ne connaissaient pas non plus. Voilà, ça c'est sur le cœur de mes deux enfants qu'arrêtent de battre, que je vous le jure. Je vais vous dire la vérité. Je trouve que voilà, ça prend quand même pour une homme. Hein. Comme je l'ai dit souvent, je suis la seule qui fait des luttes anti-racisme, des gens de ma communauté, on va dire. De ma communauté, pardon, de mon monde. J'ai une main noire, une main blanche en tatouage sur mon bras, qui est en commun avec Noémie, qui est ma meilleure amie, qui est Renoir. Donc je me suis tatouée ça carrément sur ma peau. En fait, donc il y a des choses que je trouve que ne sont pas justifiées, en fait. Voilà. Alors qu'il y a eu un truc de genre, ah, elle est vraiment conne et tout, je le conçois. Ok, on a manqué de culture, on connaissait pas. Bon, bah maintenant, moi, c'est sûr que je connais ça, vous inquiétez pas, j'oublierai pas. Mais, donc, on me dit, ouais, les codes ou quoi, je peux le comprendre, tu vois. Mais, de dire des trucs horribles et de vouloir inciter à la haine de biais de plusieurs personnes contre nous, alors qu'on est la seule famille de terrarité, justement, à toujours être entouré que de gens de couleurs et de religions différentes, que nous, c'est vraiment un mélange culturel de ouf. Ça, à la base, la GLC Family, voilà quoi. Je le prends un peu pas très bien, on va dire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été heurtés parce qu'on a vraiment cru que c'était mon intention, vous m'envoyez vraiment désolé. Parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, je comprends pas. Je comprends même pas comment les gens qui me suivent, ils ont pu croire ça. Après, je pense que c'est vraiment des gens qui ne me suivent pas plus ça. Mais voilà, donc en fait, c'est juste que je trouve que ça prend quand même une proportion énorme où genre je me fais beaucoup insulter, mais après je le prends pas à cœur comme d'habitude, parce que d'habitude quand il y a des polémiques et tout, je suis un peu en balle moi. Là je le prends pas tant à mal parce que en fait
Je suis tout l'inverse de ça. Donc en vrai, on va dire, quand c'est pas quelque chose... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de irréel. On fonde un jugement sur moi, sur une erreur de notre part de non-connaissance. Ça, la réalité. Donc bref, je vais pas me débattre 1000 ans. Encore une fois, je suis désolée aux gens qui ont cru que c'était l'intention. Ça ne l'était pas du tout. Ce n'est pas de la maladresse, c'est que je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas, en fait. Donc finalement, de par ma connaissance, c'est maladroit. Mais c'est pas quelque chose que je connaissais, que je me disais, ah, je vais le faire pour une bonne cause et que ça a été maladroit. Non, je connaissais vraiment pas ça. Et du coup, bah voilà, je suis un peu deg parce qu'en plus, je pensais vraiment faire une bonne action. Genre, je voulais vraiment contribuer au mouvement, quoi. Mais bon, la prochaine fois, je fermerai ma gueule. Et voilà. Et voilà. Mais je voulais aussi vous dire de pas oublier que. Bah, juste moi, ça me dérange pas d'être jugée pour ce que je suis. Mais ça me dérange d'être jugée pour ce que je suis pas. Voilà. Donc, même ma mère, je tiens à préciser qu'elle a 50 ans, hein, avant-hier, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit 50 ans, mais ma mère, en gros, ma mère, quoi, en gros, donc qui est pas une influenceuse, c'est ça que je voulais dire. Avant-hier, elle faisait des stories contre le racisme, il y a 2 jours, il y a 3 jours, contre le racisme en disant que c'était une honte ce qui se passait, etc., etc. Donc, que c'est injustifié. Voilà, première chose. Après, tout mélanger là où on vit avec ça, je vois pas le rapport. Encore une fois, je ne vois pas le rapport. Les personnes qui ont envie de dire oui, elle a même dit qu'elle n'aimait pas la France. On va pas revenir sur le sujet. La vidéo de Marie Saint-Filtre, c'était de l'autodérision, des répliques parfaites d'un candidat de télé-réalité dans la pensée des gens. Donc ce n'est pas la réalité, c'est ce que les gens pensent. Donc on répondait comme les gens pensaient. Donc c'était juste de l'autodérision. Encore une fois. Deuxièmement, encore une fois, mon mari n'est absolument pas français, n'a pas la nationalité française, n'a le droit à rien dans sa vie en France. Donc même si demain on quittait Dubaï, il partirait vivre au Portugal. Donc ça aussi, parce que je sais pas pourquoi vous vous persuadez que Laurent vient de la France parce qu'il parle français, mais pas du tout. Et puis pour terminer, franchement, paix et âme sur vous tous, quoi. Genre, tranquille. Une journée comme ça où t'es même freiné avec le filtre, c'est que faut vraiment te préparer. C'est vraiment ta gueule, ça va pas du tout. Voilà. J'ai pas dormi aussi de la nuit parce que j'ai super mal à la gorge. Genre en fait, quand j'avale, j'ai hyper mal, ça fait comme 2 grosses boules ici. Justine, elle m'a dit c'est une angine. Je sais pas comment j'ai eu une angine. Mais voilà, donc du coup j'ai bu du gingembre. Si vous avez d'autres idées de comment traiter naturellement les mal de gorge, je vais vous mettre juste là. J'ai opté cette fois-ci pour les valises, pour des valises souples. Voilà, donc on va voir si c'est moins galère, si ça prend moins de place. Parce qu'on est toujours en galère avec les grosses valises. Du coup là on a fait toute une valise de baskets. Allez, vas-y, on compte. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est des rebassures, quoi. Ce qu'elle est belle. Cléopâtre. So beautiful, mommy. Mommy beautiful? Yeah! Mommy beautiful? Yeah!